Rien de tel que la Dolce Vita pour donner des ailes à l'amour. Du côté de l'infatigable Alexia Laroche-Joubert. La pause estivale semble avoir été particulièrement propice à l'épanouissement de ses sentiments. Il faut dire que durant l'année écoulée, la productrice ne s'est jamais arrêtée pour prendre du temps pour elle. La présidente d'Adventure Line Productions s'est démenée pour pouvoir présenter au public. En dépit du contexte sanitaire compliqué, des programmes cultes à l'image de Koh-Lanta, que l'on retrouvera dès le mardi 24 août pour une édition Allez Star, Fort Boyard ou encore Miss France. Aussi, la pause estivale semble avoir été bien méritée et largement savourée par la maman de Solveig et d'Isor. Les quelques clichés de ses vacances postés sur son compte Instagram ces derniers jours laissaient présager que la jolie quinquagénaire était en bonne compagnie. Cette dernière vient effectivement de révéler à ses abonnés Instagram qu'elle était en villégiature avec son amoureux. Fin des vacances, retour à Paris demain, moment fantastique vécu avec mes amis et mon amoureux. Bonne fin de vacances à tous, s'est enthousiasmée Alexia Laroche-Joubert en ce 15 août en légende d'une photo où la productrice apparaît radieuse. La fille du publicitaire Patrick Laroche-Joubert et de la grand reporter Martine Laroche-Joubert. Elle serbe de retour au travail, mais c'est vraisemblablement le cœur plein d'étoiles qu'elle se replonge dans ses dossiers. Depuis quelques jours déjà, la reine de la télévision avait attisé la curiosité de ses fans en publiant des clichés d'un bel inconnu. Mon Robinson. Celui-là je ne le laisse pas sur une île déserte. Avait-elle légendé une photo où apparaissait ce mystérieux et bel Hidalgo. Sa fille Isor avait même commenté d'un « Oh là là, c'est non sa maman ». Alexia est donc belle et bien amoureuse et elle n'a pas hésité à l'officialiser.